Mais bon, ouais, tu verras bien. Donc tu... Blup. Blup, 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 blup. Donc t'es motivé, t'as l'air motivé. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On verra bien comment... On verra bien comment ça va se passer, hein. He searched for his sister's comfort. But she was nowhere to be found. Bon, on verra bien si je tiens bon. Et pourquoi tu tiendrais pas bon? Blup blup blup. Madame Rureux et Madame Blup blup sont sur un bateau. Madame Blup blup tombe à l'eau. Qui reste sur le bateau? Je ne sais pas. Madame Jereux. Encore? There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventure. C'est pas ce qui me passionne le plus, mais les conditions de travail et le salaire me motivent trop. Soon, the forest seemed to grow colder and darker. J'allais dire, faut pas penser comme ça, mais... Je t'avoue que c'est un peu pareil dans mon cas, tu vois. Genre, en vrai, moi, couper du jambon, si je pouvais faire autre chose, je t'avoue, je ferais autre chose, tu vois. J'ai pas mytho que, voilà, c'est pas le truc, c'est pas le meilleur truc ever, hein. That is what happens when you do not listen to your mother. Especially you, Lilimur. Their mother had said before kissing them goodnight. C'est pas le meilleur truc ever, couper du jambon. Hein. Mais si lol. Oh genre. Oh, vraiment, couper du jambon, c'est le meilleur truc ever, genre. The darkness outside scared him. Not being with his sister scared him even more. Il part sans sa lanterne, le con. Oh shit. Y'a plus de bougies. Ouh là là. The nearby forest was a familiar place during the day. But at night, it was a different story. Le jeu est beau en vrai, hein. Même la dernière fois qu'on y avait joué, je le trouvais quand même vachement beau. There was no D'ailleurs, trace je l'ai pas of dit, Lilimur, mais on remercie les développeurs hein, pour avoir donné une clé du jeu afin que je puisse vous tester ce jeu-là. Je dis tout le temps la même phrase, il faudrait peut-être que je pense à changer mes phrases, hein. Bah, c'est tout le temps la même chose. Je sais pas si vous avez remarqué. Quand je commence un live, quand je termine les lives, et quand. Enfin, à chaque fois que je dois dire un truc, je dis tout le temps la même chose.
Faut que je change. Faudrait que genre je trouve des nouveaux. Mais en fait, en réalité, ça fait des années que je dis tout le temps les mêmes choses, genre. Oula. En tous les cas, le boulot, quoi que tu fasses, c'est pas passionnant. Ah, ça dépend, ça dépend. Ça dépend, tu vois, par exemple, après, il y en a qui vivent de leur passion. Imagine ceux qui sont photographes et qui aiment photographier des animaux et qui sont dans la savane et tout. Ceux qui. Et qui, par exemple, ils sont journalistes et ils doivent photographier des panthères pour un documentaire et tout. Bah, ça, pour eux, c'est ultra passionnant, tu vois. Parce que quand tu vis de ta passion, c'est vachement cool. Ouais, mais combien travaillent plus qu'il faudrait pour juste arriver à en vivre? Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Totalement d'accord. Ouais, après, j'aurais pas de dire. Hein. Après, ce qu'il faut te dire, c'est que là, c'est un peu relou, quoi. T'es obligé de te taper cette formation-là pour pouvoir accéder à ce que tu veux, quoi. C'est un mal pour un bien. Hein. Tu te dis, bon, au moins, grâce à la formation que tu fais, certes, ça va être 6 mois relou, mais... À la fin, tu vas pouvoir faire ce que tu veux, tu vois. Donc, ouais, certes, ça va être chiant, mais bon, c'est une étape importante si tu veux faire ce que tu veux. Ou alors, tu te lances en indé. A light in the dark. Ou alors, tu te lances en indé, t'apprends par toi-même et tu crées ton propre jeu vidéo. On le crée ensemble, Max. Tu te lances, je te file mon compte Udemy, tu fais la formation Blender, moi je fais la formation Unreal Engine, et dans 10 ans on crée notre jeu vidéo banger de ouf. Non, en vrai ils ont des vies, je pense qu'ils ont des belles vies, tu vois. Mais à côté, en général, les plus gros streamers, c'est pas eux qui gèrent tout le côté sponsor, etc. Tu vois. Au début, oui, mais après, non. Ouais, ils deviennent de plus en plus gros. Par exemple, tout ce qui est Gotaga et tout, Gotaga, Squeezie, machin. Certes, ils ont leur mot à dire sur les sponsors, je pense, mais c'est pas eux qui vont les chercher, tu vois. Mais ouais. Ouais, ils ont un mental d'acier. Hein. Quand tu vois tout ce qui se passe derrière. Surtout, je sais pas si c'est pareil ou si c'est qu'en France, mais tu sais, tous les jeunes qui. Tous les jeunes qui harcèlent un peu les influenceurs. Au final, on voit beaucoup ça dernièrement, là, par exemple avec Mastu qui était parti en dépression au début d'année, qui est revenu au mois de février, je crois, février-mars. C'est quand même... c'est une dinguerie, hein.
Ouais, on a sauvé la balle. Ah. Ouais, on est tous morts. Let's go. On est tous morts. On est tous morts. On est des tubes, on n'est pas des pots. Mais on a tout ce qu'il nous faut. Des fruits, du fromage frais. Together, they tumbled down deeper and deeper through the old ruin. Fromage frais. Ah, je suis tombé sur le cucu. Mais bon, après, ouais. Follow me, little brother. I will protect you, Lilamour said. Max, si tu m'envoies un message et que tu me dis tu veux faire un jeu vidéo, je répondrai. Lilamour loved adventures. Mais bon, là, t'as pas le temps. Faut que j'arrive à trouver quelqu'un qui est motivé. En vrai, tout seul, je vais me démotiver. Moi, je suis une personne qui, quand je suis tout seul, je me démotive. Mais si y a quelqu'un qui vient et qui est motivé et qui veut faire aussi, en vrai, je vais me mettre à 200%. Le problème, c'est que j'arrive pas à trouver des gens qui sont motivés, genre. J'ai rencontré un mec pendant mon parcours, il touche plus de 10 000 euros par mois. Il s'est fait embaucher par une boîte parisienne, mais il bosse que en télétravail. À côté de ça, il fait des extras en indépendant. Et il a même le temps d'être formateur Pôle emploi 2 jours par semaine. Ah ouais. C'est des mecs qui s'organisent bien, ça. Excusez-moi. Gnomes are peculiar and playful creatures. They live peacefully in daylight and keep in their houses at night. Visitors that don't want to eat them were unheard of until this day. On a des petits succès, récupérer les gnomes figurines et tout. Ouais, je me suis fait plein de potes. Bon, attends, on joue à cache-cache là ? Waouh, quelle dinguerie.
Ils sont bien cachés en plus, ces enfoirés là. Tous ensemble, ouais. Alors, je suis pas convaincu qu'il faille aller par là, mais bon. Salut, au revoir les gnomes. En fait, c'est des bébés. Ah, il s'est pété la gueule. Non, mais par contre, ma sœur, elle est casse-couille, hein. Elle arrête pas de se barrer, quoi. Elle est où ma... Elle est là. Faut que j'aille le chercher. Reviens. Hop là. Oh là-bas, je croyais que c'était un jeu d'horreur en fait, mais let's go. Enfin, tu sais, ma sœur adorée, tu gères la fougère. Ah, il va quand même. Ah, il le touche quoi. Ben. Quoi, c'est une larve, une limace, je sais pas c'est quoi, un crapaud. Ah, mais ma sœur, elle se barre tout le temps, mais c'est un truc de ouf. Elle est où encore celle-là? Attends, mais elle s'est barrée loin en plus. C'est fou là-haut. Mais pourquoi elle se barre? Part sans elle, hein. De ouf. Bon, par contre, elle s'est encore barrée là. YOLO! Oula!
aide-moi. Elle s'en bat les couilles. Elle s'en est battue les couilles, mais tellement fort. Mais je te jure, elles sont devenues rouges là. Hein. Tellement elle s'en est battue les couilles. Hein. Oh. Genre vraiment, son petit frère était en train de se faire emmener par une bûche. Elle était en mode. They were both curious in different ways. While Lilimor quickly ran along, Ulle could get completely enthralled. And suddenly, Ulle was alone again. Attends, mais elle est où ma sœur là? Elle est passée où ma sœur? C'est bon, je crois qu'on a réussi à se séparer d'elle, Alex. À part de là. À deux doigts de faire une formation en animalerie avant de prendre ma décision. Je me dis que c'est mal barré pour moi. Mais non, arrête, dis pas ça. Oh mais elle, elle me fait chier. Oh oh. The river was strong, and Ulle was weak. He did not stand a chance. Après, c'est vrai que t'aurais fait un. T'aurais fait un beau maître. T'aurais fait un beau maître chien. Ulle was happy to have firm ground under his feet again. C'est ce qu'il faut te dire. T'aurais fait un beau maître chien. C'était plus pour les poissons et les oiseaux. Ah. Bon après si tu... Ouais, tu cherches hein. Un bon... Ah ouais, un bon maître poisson. Un bon... comment ils appellent ça là pour les oiseaux Un bon maître oiseau. Maître oiseau sur son arbre perché. Donner dans son bec un fromage. Bon Max, ça arrive à... J'ai pas la suite. Je sais pas si vous, vous avez dû l'apprendre quand vous étiez gosse. Moi, j'ai jamais dû l'apprendre, celle-là. Oh, d'ailleurs! Vous avez vu l'annonce qu'a fait From Software, du coup les papas de Dark Souls et de Elden Ring. Ils ont annoncé un nouveau jeu, mais comment dire. En gros, avant de sortir des jeux comme Dark Souls, Elden Ring, Demon's Souls, donc les jeux qu'ils font dernièrement, en fait c'était des créateurs de jeux de mecha. En gros, de jeux de gros robots qui déglinguent tout en fait. Sauf qu'en fait ces robots là, enfin ces jeux là, enfin ils fonctionnaient mais ils fonctionnaient pas trop non plus. Et en fait là, leur prochain jeu, ils ont annoncé du coup là, un nouveau jeu, la suite en fait de leur jeu de mecha. Ils n'avaient pas sorti depuis longtemps, mais vraiment longtemps de ouf hein, parce que du coup ça fait... Ça fait depuis le premier Demon's Souls, il y a un moment maintenant, qu'ils sortent que des jeux de type Souls. Et du coup, ça fait longtemps qu'ils ont plus sorti de jeux de mecha.
Et les gens, en fait, à l'heure actuelle, ne les connaissent pas par rapport à ces jeux-là, justement. Et du coup, bah là, ils ont annoncé, ouais, le retour de leur série de jeux de mecha. J'avoue que moi, ça m'intéresse pas. Et je pense que, bah, honnêtement, hein, les jeux de mecha, ça fonctionne beaucoup, mais au Japon, quoi. En dehors du Japon, ça marche pas tellement, les jeux de mecha, en vrai. Donc, on verra comment... On verra comment comment ça va le faire. Hein. On verra. Ça se trouve, ça va être bien. Je suis pas obligé de rester appuyé, je croyais que j'étais obligé, mais non. Oh, un petit cochon! C'est un petit cochon! C'est Babe! Babe. Et du coup là, tu dois faire quoi pour demain, du coup, Max? Tu dois faire un site web. Ça va, tu t'en sors? Dossier à remplir pour l'AFPA. Ah oui. Putain, moi j'y suis allé il y a pas longtemps à l'AFPA, je peux te dire. Waouh. En fait, moi l'AFPA ou qui a Rennes, c'est un ensemble de bâtiments en fait. À la base, c'était une ancienne caserne de pompiers et en fait qui a été transformée en AFPA en fait. Il y a une ambiance chelou quand même. Hein. Je viens de voir qu'il y avait un truc sur le... sur l'arbre. Ah ouais, d'accord. Eh, ça rigole pas, hein. Thank you.
une ambiance lugubre. Une ambiance très glauque. Non, vous trouvez pas qu'il y a une ambiance quand même bizarre sur ce jeu? Oh, il y a une sale ambiance, moi. Je déteste l'AFPA, j'ai fait beaucoup de formations avant qu'eux et c'est vraiment les pires, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Moi, en tout cas, j'ai fait une... Je suis allé une fois à l'AFPA là, la semaine dernière. Je peux te dire que j'ai vraiment pas envie d'y retourner, hein. Lave pas alors qu'il doit dire si tu... Si tu fais la formation ou non. Ulla wanted to cry. A couple of hours ago, he had been in his warm bed. Now, he had almost died several times. His sister was gone, and he was soaked in smelly sewer water. Mm-hmm.
Ils voulaient juste m'aider à préparer la présentation du projet et l'appuyer. Ils font juste en sorte que je sois accepté. J'ai fait tout ce qu'il faut pour prouver ma motivation et mes capacités, mais ils peuvent aussi me dire à Pôle emploi de m'éjecter du circuit si je fous rien. Ah ouais, d'accord. Oh là là, quel enfer. J'adore parce que t'es dans un monde fantastique qui a l'air vachement cool et tout, et il y a quand même des trucs bien gore qui se passent quoi. Et pour la formation dev, c'est clair que je passerai pas par eux. Ah ouais? Je passerai par un centre de formation vraiment spécialisé. Faut que je me cache dans les fougères. Cette merde. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. Je crois que je suis tombé. Je sais pas. Je suis quasi sûr, je speed comme ça, je peux y arriver. Ah non. J'aurais essayé. Oh putain, c'est violent. Du coup, je suis obligé de me cacher dans celui-là. En fait, je pense que j'aurais dû rester accroupi et je suis pas resté accroupi et du coup. Ouh, d'accord. Si après il y avait un truc ou pas. Waouh, ça va être chaud. Faut que j'aille jusqu'à la pointe et après je me dirige. Là, je pense que je peux aller tout droit là. Là, je longe le mur et ça le fait.
barrer à un moment ou quoi? Ah non, il se barre pas en fait. Regarde là, j'ai l'impression. Parce que je sais pas s'il y a une certaine utilité à ça. Oh là là. Ah, ma manette elle a plus de batterie. Ah merde. On a tué l'un des leurs. Waouh, ça je déteste ça. Ah, quand on saute de trop, on meurt. Sachez-le. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour la découverte du jeu. Hein. Ça fait combien de temps là? 48 minutes.